Mâcon, Saint-Étienne. Alors là, comment on se la joue? Faut qu'on se fasse une tactique. La seule fois où on a joué Warren, Warren, notre pote Neyro, Neyroman, il a pris une minute dans la gueule. Du coup, ça nous laisse. C'est assez perplexe. Enfin, je suis pas très serein, quoi. Du coup, je sais pas trop comment la jouer cette étape. Un stade. Ouais, mais les pauvres, on va pas faire la vanne à chaque fois. Ils sont déjà au fond. Ouais, c'est bientôt la reprise du foot, non? Vu que avec la Coupe du Monde, ça reprend plus tôt, non? C'est pas dans 2 semaines? Il a fini 5 du coup. Bip bip la mobilette. Ouais. Warren, il est quoi? 17ème de 50? Putain, Warren, il veut nous grailler hein, sur la photo. Hein. Ah, je pense qu'on va prendre Nairo. Hein. Bon, non, dans un premier temps, Nasser. Je pense qu'on va se concentrer sur Mesdames et messieurs, bonjour. Si la traversée du vignoble de Bourgogne en début d'étape incite plutôt à la flânerie, le reste de la journée, en revanche, ne laissera aux coureurs que de rares Bordeaux. moments de roue. Oui, mais même si ça descend, Bordeaux, au final, ça sera juste une ligne de la 19. Il faudra se montrer endurant et résistant pour espérer lever les bras à Saint-Étienne. Techniquement. Ce qui serait très chiant d'ailleurs, hein. Tous les week-ends, il y aurait un club qui joue pas. L'enfer. On espère pas trop de mecs devant. Ok, bah écoute, on va déjà repasser sur Nairo. En vrai, c'est dommage, il y a beaucoup de points là, hein. 15, 20, 25. Ah, il y a 29 points. Ouais, je pense qu'on va se foutre là, mais... Je pense qu'il faudrait qu'on essaye de faire rouler, je pense, notre équipe dans l'école, non? À part si quelqu'un le fait déjà, mais... Ce serait pas mal pour essayer d'y m'inviter parce que sinon on va juste arriver au sprint comme des cons quoi. On est plus très loin du sprint intermédiaire pour les hommes de tête. Celui qui passera en tête empochera 20 points supplémentaires pour le classement par points. C'est pas très grave la plume, hein. Il se passe rien là. Les échappés creusent l'écart. Vous entendez le boom là, ils non? sont pas dangereux au général, on peut laisser filer. Allez, c'est parti pour les montagnes russes. Les coureurs ont tout d'abord escaladé la croix de Montmain, 6 km de montée avec une pente moyenne de 6,7%. C'est déjà bien corsé pour une mise en jambe. Merci beaucoup, impeccable pour le trail. Il y a un monde où ça se fait un petit giveaway cette nuit, hein, en vrai. Hein. Si en vrai, vas-y, je pense que je vais vous régaler la team de la nuit là et on va tricher. Mais on n'est pas très loin des 150. On va lâcher un petit giveaway quand on sera moins nombreux là. Pas bon les deux giveaways tout à l'heure, on était 1000, bon. Compliqué pour l'avoir la clé. Oh bon, en plus ça fait cab, il lâche un gift. Merci beaucoup mon ref. L'écart reste stable entre le peloton et les échappés. Attends 4 heures. Bah tranquille. Vas-y, pour la team nuit. Bah oui, il y a une petite ambiance quand même de live sur Twitch la nuit. Hein. Non, je streamerai pas toutes les nuits. Oh là là. Merci Ketao pour les 5 gifts aussi. Qui joue à impeccable, magnifique. Merci Ketao, merci beaucoup les gars. GG, ouais, ouais. L'écart augmente. Pas de quoi s'affoler les gars, y'a personne de dangereux pour le général. T'aurais dû rien dire. Non mais dans tous les cas même s'il n'y avait pas je l'aurais quand même lâché cette nuit quoi. Lâché un petit pendant la nuit tranquille. Même si on n'était pas à 150 c'est pas grave. Et merci pour les gifts les refs. Merci Elopette pour le prime. Merci beaucoup.
Attaquer au départ. Moi je pense que là on va. Ah ok, par contre il y a 7-20. Ouais. Ouais, j'ai déjà niveau 4 le train. Bon, je pense qu'on va pas chercher à comprendre, on va faire ça comme ça. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Attends. Oh non, ils sont partis à 3, putain, mais les gars, faites pas d'efforts. Ah non, pas beaucoup d'efforts de fait du côté des collègues là. L'échappée ira sans doute au bout, les gars. Faites gaffe quand même aux Hop, hop. Dans le final. Ok, oui, c'est des concours. Il y a PCM ou TDF, ceux qui ne l'ont pas. Ils peuvent vous régaler. Le second sprint intermédiaire est dans 5 km. Ça fait mal quand même, hein. Le tempo, il est violent, hein. Bon, devant, ça va aller au bout, mais... Jugé au sommet d'une montée d'un kilomètre et demi. Je suis encore sur TDF 18. Oh là là. Putain, t'as de la force, hein. Ouais, j'ai une Red Bull encore dans le frigo, ouais. Je pense que je vais aller la péter après, hein. Allez, on force. Allez, Warren. C'est beau ce que tu fais, Wawa. C'est magnifique. Par contre, avec le tempo qu'on a mis, on est cœur 80. Alors, soit on a une équipe qui pue le mort. Ouais. Merci, Lenny, pour le sub. Pour ton 5ème mois, merci beaucoup. Plus que 20 km pour le groupe de tête. Oh non, je crois que notre équipe est vraiment nulle, hein. Je pense que c'est juste ça, hein. Ah, mon aéro. Mauvaise forme ou pas, on a du temps à reprendre là. La côte de cette étape fait 1600 mètres avec une pente moyenne de 8,7%. C'est ici qu'il faut faire la différence si l'on veut éviter d'arriver. Mais ceux qui ont des vieux TDF comme ça, vous faites quoi sur le jeu? Faites des tours en boucle comme ça tous les étés, genre? Et donc, ah ouais, mais là mon nez il est plus du tout bouché, il s'est débouché totalement depuis hier, donc bon, y a plus rien à moucher, quoi. Je pense qu'on va en mettre une, hein. Quoi, team avec des clowns. Mais attends, mais 2017 t'es encore avec From Prime là. Il y a même pas Poga et tout dans le jeu. Avec la CAF. Ah ouais, mais bon. Ah, si vous voulez, on s'en fait un petit, hein, mais. Qui va s'imposer? Putain, si Anthony Perez gagne. Ah. Compliqué. Allez, Neyroman. Allez, mon pote. Second Prime dans ma team perso. Des grosses teams avec Tom Dumoulin 80 montagnes. Oh là là. Ça direct fait mal là, non? Côte de la Jaillère, là où on va attaquer à la Philippe avec Pino. Allez, allez, Nero! Nero. Moi je suis deck que maintenant il faut. Bah, j'ai plus de console, du coup je peux pas retourner sur les anciens jeux. J'avoue que des fois relancer un petit ancien jeu comme ça pour une soirée, tu te dis. Ah, ça peut être kiffant, un petit TDF 15 là. Ou TDF 13, exceptionnel. Mais bon. Là, le plus loin où je peux remonter, c'est le 20. Bon. On va pas se mentir qu'on va pas se faire des soirées TDF 20. Plutôt crevé. Eh, on a fait un petit trou quand même. Devant, c'est qui? Eh, c'est Anto! Oh, c'est beau! Les pro teams. Ah, ces dernières années, c'était Frailey en vrai. Hein. Merci pour le chouchou, les BG.
Riley, il est pas mal hein, quand même. Le mec il se régale devant avec ses caisses. Giveaway. Non, on va le faire là. On va le faire après l'étape pendant la journée de repos. Il reste une dernière difficulté et celle-ci n'est pas répertoriée au classement du meilleur grimpeur. Une petite bosse d'à peine un kilomètre, mais avec des passages plus de 10%. Bah, c'est le premier sur PC quoi. Après une j'ai plus de console donc ça va faire très mal 16 mois depuis le tour. Le 16 après cette dernière j'ai plus trop de souvenirs du 16. Hein. 3 km pour rallier l'arrivée. Attends, on a pris une minute là. On va chercher le rouge là à ce rythme, non? Ah oui, il y a PLP derrière. Et Anthony Perez qui va aller gagner. Oh lolo, mais c'est exceptionnel. Allez, mon héros! On est en train de faire une étape de fou. Hein. Je sais pas comment on a pris une minute sur le peloton, mais on les a prises. Hein. Les jambes. Mais moi je suis trop déçu qu'ils n'y aient plus les jambes en pro team. Hein. En vrai, je trouve que ça rajoute un petit truc. Hein. Et au pire, si t'aimes pas, bah tu les utilises pas quoi. T'es pas obligé de les prendre. Ça me prie, Estan Jarez. Allez, mon grand! 50 secondes d'avance sur le peloton. Ouais, ils sont juste là quand même. Ils montent vite. Hein. Et on va reprendre Cosnefroy et Goujard. RDS pour la coffre. Ouah, culotté, on a fait un vrai tour tout à l'heure. Vous me rendez triste. Allez, Nero, pas de regret. Il y aura pas le rouge au tour. Au bout, pardon. Mais on va faire une bonne OP. Oh, les trash, mais je suis à mon prime là, excellent. Oh, qui s'impose? Oh non, il va se faire fumer. Perez va faire 3. Sénéchal va faire 2. Oh la loose, ils vont faire 2 et 3, les Français. Victoire de Clark. Allez, ne pas avoir de regret, il n'y aura pas le rouge, mais on va se rapprocher dangereusement de Poga là. La FFL là. Ah, il y a 2 et 3 là, je crois. Hein. Ouais. HBG, merci beaucoup à Wallapen pour le 5e mois. Merci, mec. Merci pour tous les subs, vous êtes les boss. HBG. Gros, ça va, je suis pas fatigué. Hein. De toute façon, ça va être comme d'hab, hein. Fatigué. Enfin, la fatigue, elle va arriver, on la connaît, elle va arriver vers 8h. Quoi. En début de journée quoi. J'espère qu'on va avoir une étape de fou demain, sinon on va s'endormir. Alors. Cette étape est pour lui. C'est bien, ça. Il a été le plus fort. Il joue les tout premiers. Il joue les tout premiers. Il est en tête. Il est en. Haché, ça sent bon quand même. Ah, j'espère. Hein. Il n'y a plus les gens dans Pro Team. Ouais, non, depuis un moment. Hein. C'est quand la dernière fois? C'était 2018. Bravo les gars, vous avez fait une très bonne étape. Finir dans le top 5 alors que l'étape ne nous convient pas. Je crois que c'était 2018. On conserve le maillot vert. Bon, c'est on reprend bien. Officiellement 58 secondes sur le peloton. Ce qui fait que nous sommes revenus à 15 secondes. Ah, ça annule le petit retard de Mur de Bretagne. On a joué avec Warren. Parfait. Full bénéf. Eh ouais, minuit, Lenny. On va dormir. Aïe aïe, le dilemme. C'est 2018 où ils y sont plus? Ouais, donc 2017, dernière année où il y a les légendes. Moi, je trouve vraiment le système du Pro Team 2017, il était trop bien. Avec les légendes, le choix des sponsors et tout. C'était une dinguerie. Hein. En vrai de vrai. Oh, Lopez est tombé. Ok. Bon, les écarts de la première semaine. Bon, c'est des écarts de première semaine. Hein. Il n'y a pas trop d'écarts, mais. Il y a des petits coureurs qui ont perdu quand même pas mal de temps. Cosnefroy, maillot à poids. Mais bon, avec Warren, on va arriver foutre un petit coup de pied dans la fourmilière là. Bonne nuit, GPT. C'est en pseudo. Magnifique. Ce sera le feu. Ce sera trop bien. Bonjour les gars. Alors, premier enchaînement montagneux. La Reims, Mont Ventoux, Viasso et Otakam. Okay.
Bah écoutez, on va se faire le giveaway avant. T'as fait la planche, on a fait la planche, ouais. Hop, on va se faire le giveaway. Le troisième. On a dit 1 sur 2, on mettait avantage sub. On a fait le dernier, du coup là, 0 avantage. Hop. Il vous suffit de mettre dans le chat point d'exclamation team nuit. Magnifique. Bien sûr, c'est vous. C'est vous, wesh. Et on verra, hein, peut-être que avant le lever du soleil, avant l'aube, il y en aura un autre pour la team nuit. Hein. Ouais, on verra bien. Alors, comme d'hab, celui qui sera tiré, envoie-moi un chuchotement Twitch. Bon, déjà, il faudra que tu mettes un message dans le chat pour valider le fait que tu sois là. Et tu m'enverras un chuchotement Twitch et tu me diras si tu veux soit PCM ou TDF. Et si c'est TDF, c'est la plateforme de ton choix. Donc PC, PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series X. Ou S, je sais jamais c'est quoi le nom de cette console de mort. Alors, il est quelle heure là? 38? 38,08. Allez, on tire à 40. Bon, ouais. À 110 éligibles, il y a quand même un peu plus de chances de. Mais Soro, t'as pas les deux jeux toi? Putain, le rat. Fais un chuchotement. Normalement, t'appuies sur. Tu cliques sur mon pseudo et. Il y a un petit bouton chuchotement, non? Je crois. Au pire, j'enverrai. Les Slovènes. C'est demain après l'étape. En gros, le programme, c'est. On avance le My Tour. 4 heures, petite session multi-PCM. Qui sentira bien le chômage. Hein, avec des dégénérés qui vont faire des trains de partout. On les connaît. Hein, ce sera les mêmes que le mois dernier pendant 24 heures. Puis, on va terminer la nuit en regardant des petites vidéos sur YouTube, des reportages tranquilles. Ensuite, on reprendra le My Tour. On avancera vers la dernière saison du Pro Leader. Puis, ça sera l'heure de regarder l'étape. Après l'étape, le Pro Cycliste Slovène. Et après le Pro Cycliste Slovène. Et bien, j'avais mis My Tour, mais je crois qu'il sera fini, donc on verra. On verra, on verra. Allez, 20 secondes! Pim, pim, pim. Sur live, oh là là, putain, il y a deux rats, ils ont essayé de me gratter. Oh, ah, je vous ai vu. Hein. Le procès, je sais pas, j'ai pas trouvé encore. Allez, 3, 2, 1, il est 40. Alors, une chance sur 130. Oh. Fabien, 23-10. Oh, Fabien! Tu es là, Fabien? Fabien, tu es où? Ok, merci. Fabien, il perd pas le nord. Ouais, c'est toi, Fabien. Eh bien, Fabien, regarde. Hop. Chuté. Ça a pas marché. C'est parce que je suis sur BS. Fabien. Chutement. Ouais, ici. Eh ben dis-moi en chuchotement, je t'ai envoyé un MP normalement, donc tu peux me répondre direct sur Twitch. Tu me dis soit PCM ou TDF, et si c'est TDF, la plateforme que tu veux. Tricheur, comment ça, tricheur? Ah, Marimsou, t'as essayé de gratter en MP en plus. Oh, monsieur.
Il veut PCM, ok, je note ça. Magnifique. Alors, hop. Pseudo exact, Fabien. Pas que je me trouve dans les chiffres. 23-10. PCM, bim. Magnifique. Nous pouvons continuer. Faire un photomontage. Ah, c'est pour ça que j'arrête de faire comme ça. Hein. On passe par DM Twitch. Hein. C'est pas mal, non? Bref, t'as pas mal de choses à faire, ouais. Putain, il fait trop frais. Ça a été le trop bon move d'aller changer et d'ouvrir les fenêtres. Je vais avoir joué. Je sais pas. En vrai, il y en a beaucoup qui, même s'ils ont les jeux, ils jouent, tu sais. Et après, ils donnent la clé à un pote ou j'en sais rien. Moi, ils régalent la clé, quoi. C'est trop. Bah ouais, mais c'est comme ça. Tout à l'heure, c'est tombé sur un sub qui est follow à la chaîne depuis 2019. Tu vois, donc c'est l'aléatoire, quoi. Oh, bah attends, mais là, on n'a pas le droit d'être heureux, là. C'est... Attendez, refaisons un jeu, là. On refait un giveaway, je veux pas y aller. Je recule. Non, non, je rigole. Je vous vois venir, hop, hop. Calmez-vous, Nairwin Green, le sprinter. Oh. Je vais dormir, bonne nuit, Furex. Salut Clem. Puis un bail. Bon oui, et puis oui. Ça veut rien dire. Hein. Reboot the game. Ah. Putain, ça rend trop triste. Bon, Warren doit l'échapper quand même. Ouah, Nairo, ça va être dur, là. Bonjour à toutes et à tous. L'avantage, c'est que c'est l'étape de descente. Avec un peu de chance, l'IA, elle se dit, ça ne sert à rien de trop donner. Du coup, on laisse... C'est trop loin de l'arrivée, on n'attaque pas. Pour asseoir sa suprématie et sceller définitivement une victoire au classement général. Alors, il va rien se passer. Ah, j'espère, hein, j'espère que tu dis vrai, hein, parce que t'as quelques barils. Ah oui, on va y aller. Est-ce que je me ferai un chemin là? Et allez, un autre motivé pour passer la journée. Dis ça, moi aussi. Allez, ça part. Bon, il y a le maillot à poids. Cause of froid, 19 points du coup. Bon, il devrait pas passer parce que c'est le tour malin en plein milieu, le gros HC. Hein. Putain, le profit de cette étape quand même. Mais attends, c'est pas cette étape qu'on a gagné avec. Avec Styra? Si, on l'a gagné celle-là, non? En ayant pris l'échappée et tout. Ça me dit un truc, ça me dit grave un truc. Les autres en ont marre, tu ne roules pas assez. Comment ça, je roule pas assez? Oh, une malade. Et ça, maladie jaune. Bah non, il a rien à serre, tranquille. En détente. Bon, en tout cas, l'échappée s'est formée direct, ça fait plaisir. Étape de 2018, ouais. Et le maillot derrière. C'est toi le plus dangereux pour le maillot rouge à l'avant de la course. Il a pris le maillot là. Bon, non, elle était giga tard dans le tour, non? Je me souviens plus. Oh, je me souviens plus du tout. Oh, pardon. Repolo, inspecteur. Oh, bon, non, c'est pas du tout cette étape, non. Faire des prédits. Bon, on s'en fera sur les montagnes d'après. Là, je t'avoue que vu la forme, heureusement qu'on n'aurait pas fait des prédits. Hein. Allez, mon Warren. Je pense qu'en vrai, même avec la mauvaise forme, sur le saumon, on doit être l'un qui a le meilleur punch. Hein. Oh, PCM, j'ai commencé plus tard. Hein. PCM, peut-être PCM 13, j'irais. Et encore, c'était très vite fait. Sinon, le vrai premier PCM que j'ai squatté, c'était le 15. Hein, avec les vidéos. Hein. Et encore, au début, je faisais vraiment pas beaucoup de PCM. Hein. En soi, PCM, là où j'ai vraiment commencé à y jouer de fou, c'est... C'est 2019 avec les confinements. Sinon, en vrai, je jouais vraiment pas beaucoup à PCM. Hein.
J'ai juste un pro cycliste sur YouTube et c'est tout quoi. C'est fini, c'est l'année à 200 heures de jeu et c'est tout. On est plus très loin du sprint intermédiaire. Ouais, mais là c'est 2 points, c'est anecdotique hein. Passera en tête, empochera 20 points supplémentaires pour le classement. Ben maillot. Si après j'ai connu hein. Genre PCM 2008 sur PSP, je l'ai séché, tu vois, mais et voici le col d'Aspin. Cette première ascension est bien connue des coureurs puisqu'elle est régulièrement empruntée par le Tour de France. Le col d'Aspin rapportera 10 points au coureur qui passera en tête. Un PCM, je sais plus lequel, hyper tôt aussi. Je jouais souvent avec un pote quand j'allais chez lui. Moi, je l'avais pas. Ça va être le 2007-2008, peut-être. Tu sembles être le meilleur grimpeur du groupe. Tu devrais réussir à passer en tête. Attends, parce que là, Warren, il a mis un tempo de Barjo, mais on va même pas le tenir, le tempo de Barjo qu'on a mis là. 2008. J'avais 9 ans. Non. Ouais, après je joue au jeu, hein, je connaissais le jeu, mais juste je squattais moins quoi. Genre là, le PCM, j'ai fini à 1000 heures l'année. Maintenant. Bon, ça a changé aussi, maintenant je fais que ça toute l'année, c'est mon boulot, mais. Oui, non, je connaissais PCM 2019, j'y jouais déjà depuis un moment, mais. Juste, j'y passais beaucoup moins de temps. Genre vraiment, de toute façon, si vous regardiez les vidéos YouTube. À l'ancienne, c'était quoi? C'était ça jouait à TDF toute l'année et toute l'année ça enchaînait des tours. Ça faisait un tour, 3 étapes par 3 étapes avec une équipe. Quand c'était fini, ça enchaînait direct sur un autre tour. Par année, ça faisait 15 tours de France quoi. Ça faisait 100 vidéos sur le Pro Team et c'est parti quoi. On va plus collaborer. Là, je suis déçu. Oh putain, oh le peloton, oh Nairo. Respire Nairo. C'est un classique parmi les classiques. Ce sont même les deux cols les plus souvent empruntés depuis la création du Tour de France. Ok, on va Non parce que là. L'écart est ouais, ouais. Non. Là je le sens venir gros comme une maison. Ouais, on va faire ça comme ça. Les échappés vont avoir du mal à aller rouler. De fou. Oh là là, vous savez que le jour où il y a GTA 6, on va vraiment le refaire hein. Et ça va être légendaire quand même. Donne les gels. Effectivement, on peut plus les donner plus tôt même à ceux derrière, mais bon, c'est pas grave. Putain, y'a un tour malais à monter là. Le jeu. Bah sur console on n'avait pas les heures de jeu mais ouais il y a certains TDF j'ai dû finir avec des heures phénoménales hein. Genre vraiment j'y jouais toute l'année hein, même à partir de janvier quand il y avait les changements d'équipe et de sponsor transfert et tout ça y jouait hein. T'as ton gel. Ah oui mais si ça monte comme ça même avec le gel ça va être compliqué hein. On va le prendre d'ailleurs. Oh la forme du jour, oh là là. Ah donne tout mon aéro hein. Oula. FIFA, non. Sur ce Jason, l'hiver en leader carrément. Ah oui, mais on en a fait tellement. Ça fait des tours avec la Bretagne séchée environnement sur TDF 15 quand étape 12 on avait plus de barre. Ah oh, c'était en détente hein. Je l'ai donné à Warren les gars. Bon non mais TDF, de toute façon vous avez juste à regarder les vidéos, vous triez par les plus anciennes et déjà TDF 15 c'est ça, les vidéos sur la chaîne c'est ça. C'est on fait un tour, on termine, on fait un autre tour, on termine, on fait un autre tour, on termine, on fait un autre tour, hop hop hop. De temps en temps, il y a un peu de PCM par-ci par-là, mais. Ah, il va falloir tenir hein, mon héros, hein. Ça va pas être évident là. Pouah, les news, l'enfer. Ton équipier le plus dangereux au général.
Bonne nuit, Twiz. C'est qui roule là pour le moment, Castro? Parce que du coup, attends, on a mis quel équipier à Egan? Martinez, Yates, Castro. Bah, c'est l'équipe du tour, non, je crois. Merci, Apocla. Peut-être des faits plus importants. Ah ouais, non, 8h, important le rendez-vous avec le patron, quand même. Monsieur. Allez, mon héros. Protégé par GBR, là. Pour le moment, on est pas mal, hein. Le problème, c'est qu'on va perdre tout le monde. Ouah, même GBR, il va pas passer, hein. Dev 13. Ah, elle était def 11 et 12, ça pouvait pas tout jouer là. La tête de la course servirait. De la station de la ah, c'est pour une augmentation avant Costar, mec. 5 km du sommet. Ma carrière. Ça dépend, moi je la laisse parce que je fais pas la planif de tout le monde. Mais si tu fais la planif de tout le monde, ça sert à rien. Parfait, ça se regarde un peu, c'est tout ce qu'on veut. Warren devant, magnifique aussi. Ok, on est bien. Par rapport au maillot rouge, mais aucune inquiétude, puisqu'il n'y figure aucun favori pour le classement général. Oui, c'est bon. Allez, on peut passer sur Warren, jouer les points. Oula. Bon, Lema, il est pas content là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit tout le monde là? Putain, il y a Warren. Warren, il a 77 en montagne là. D'ailleurs, perso. Bon, moi ça dépend quand je me chauffe, mais je fais la plupart des leaders et quelques coureurs importants quoi, mais sinon le reste ouais, je laisse en auto. Hein. Ah, ils ont plus de 3 minutes d'avance hein. Mais bon là ça va augmenter. Cause 9 fois lâché ouais. Bon c'est logique hein. Déjà il a bien tenu dans le Tourmaléen. Tenir jusqu'à 2 km du sommet le Benoît. Solide de fou, hein. Avant de la course, c'est à 2 km du sommet. Ah oh, bon, les mains, il est trop fort. Ah merde. Petit moment ASMR pour les non-pubs. Ça faisait longtemps que vous en vouliez tout à l'heure. Magnifique. Ah, c'est exceptionnel, ça donne envie de piser. 5 meilleurs français au classement général du tour demain. J'ai mis Bardet, Gaudu, Pinot, Paré Peintre et Madouas. Au général, ça a l'air d'être bien, ouais. Enfin, qui seront au général après l'étape. Ah, au classement d'étape, pas les. Alors moi, je mettrais Pinot, moi, je pense. Hein. Paré Peintre, il a bien explosé aujourd'hui, donc compliqué. Hein. Ah oui, t'as mis Pinot, ouais. Peut-être qu'à la place de Paré Peintre, je mettrais Warren, moi. Putain, Pinot est 29ème du gène. Hein. Magnifique. Mados est 13ème du gène. Incroyable. C'est bon, pas?
la planif. Non, normalement, non. Pérez, ça pète. Demain, je pense. Je pense aussi, ouais. J'espère, surtout. En vrai, stratégique, le poule. Oh là là, vous y croyez à ce genre de truc, là? Ah, moi, c'est des trucs, j'y crois à zéro, hein. Moi, c'est je dors ou je dors pas, quoi. Image ou pas? Non, il n'y a pas d'image, non. Allez, on est en train de lâcher Zeitz. On n'ira pas chercher Mollema, mais... on va passer deuxième. Et vu qu'on avait un peu de points d'avance, ça va être pas mal. Attends, j'aimerais bien rentrer, forcer pour rentrer. Oui, parfait. Ah non. La strat, là, c'était essayer de... Et que ça se regarde, mais pas du tout. Il m'a mis une minace, le salaud. Ah, dommage. Bon, on va quand même passer deuxième, c'est pas mal. Ce, j'y crois. Ouais. Moi, je pense que je suis fatigué, je dors. Je suis pas fatigué, je dors pas, quoi. Tu vois. Ça, c'est un peu ma vision. Minutes plus tôt. Pourquoi? Toi, t'es fatigué, c'est ça? Bah non, monsieur. Non, monsieur. Ça passe, c'est passé, Nairo. Ça a l'air d'être passé, hein. Par contre, il va falloir rentrer, hein. Moi, je pense pas qu'il va forcer tout le long, mais... Ou alors, j'attends Zeitz. Je peux pas. Un de fondre avec le maillot rouge. Les échappés vont avoir du mal à aller. On va attendre Zeitz. L'écart reste sensiblement le même. Voilà. Et là, on va collaborer. Magnifique. Et là, on va revenir sur Bokeh. Elle va avoir du mal. Ouais, puis tu, je vais me mettre demain soir. Vas-y, bonne nuit, Melvin. Tu sais quoi, bon, il a fait ses petits points, on va passer sur Nairo, hein. Je me demande même s'il vaut mieux pas qu'il vienne m'aider, là, Nairo, Warren, pardon. Plutôt qu'essayer de tenir, là. Bon, en vrai, il a fait les points, il a fait 12, il a fait 27 points aujourd'hui. Je sais pas si ça va suffire pour passer en tête, mais... Je sais pas si c'est du bluff, mais l'échappée a l'air d'augmenter le rythme en tête de course. Une 50. Ah, tu sais quoi, vas-y. Non, pas Anaconda. Nairo, voilà, parfait. Il va nous attendre, Warren, comme ça, on va avoir un allié. Ça va être important. Par contre, on va attaquer tout ce merdier avec 40 unités seulement. Bon, l'étape, elle est folle, hein. Celle de la Reine, c'est incroyable, le tracé, en vrai. Hein. Je me souviens plus, bon, c'est Roglic qui gagne, mais je me souviens plus s'il y avait eu des dégâts de fou, en vrai. Par rapport aux favoris. Le maillot rouge est signalé avec 1 minute 30 de retard sur la tête de la course. Allez, Warren, viens vers moi, là. C'est parti pour le premier col. Le col des Bordères, avec 13 500 km d'ascension. C'est le col le plus long de cet enchaînement. Les favoris vont probablement... Il m'attend. Pour attendre, parfait. Avant de se découvrir totalement. Bardet Zakarin avait attaqué loin. Déjà, tu dis barre des acarines, mon pote, c'est que ça date. Hein. Pire à la tour demain. Waouh. Franchement, demain, je crois très peu vu les descentes qu'il y a. Hein. Demain, rien que la descente Galibier via le télégraphe. Tout ce qu'ils ont monté aujourd'hui, télégraphe Galibier, ils redescendent demain. Ça roule pas dans le peloton. L'échappée augmente son avance sur le groupe. On prend, hein. On prend tous les jours, même.
Bon, par contre, dès que ça descend... sur le jeu, ça sprinte plus en descente qu'en montée. Hein. Descente la tour. Ah ouais, non, demain... Les hommes de tête aïe, ont Dodo. 1 minute d'avance sur le groupe des favoris. Le groupe maillot rouge est à 1 minute de la tête de la course. C'est grave son level. Ils sont trop bons, ils perdent du temps. Ouais, c'est comme ça. Hein. En vrai, descendre du Galibier, il a pas perdu de temps. Bon, descente type est très peu technique et hyper roulante, mais. Ah oui, non, mais descendre du Galibier par le télégraphe, elle est giga technique. Hein. Donc, je pense pas que ça va être la même histoire. Hein. Je pense que la tour, même s'il est devant, il va se faire lâcher direct. Hein. Il va pouvoir peut-être faire les points. C'est pour ça, la tour pour le maillot à poids, bah là, il va faire les points au Galibier, mais après, c'est tout. Quoi. On va plus le voir. Hein. Bon, ça s'envoie là déjà, col des bordères. Descente du Galibier. Bon, il était dans le groupe de contre, non? Je me souviens, à la fin de la descente, au pied du Granon, on le voit dans le groupe de contre. La descente. Bah, c'est compliqué, c'est dur. Hein. Moi, je pense, d'une autre forme, on s'occupe pas des mecs devant, ainsi. Hein, parce que là, vu comment ça monte... Bah pour les leaders, oui. Fait une David. Ouais. Il y aura 10 points au classement ouais, ouais. Des meilleurs bah là, grimpeurs. Vu, ouais, ça va être dur. Là. En tête se colle. L'écart est maintenant d'une minute entre les favoris et l'homme de tête. Tranquille, on va revenir là. Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est au niveau du physique, quoi. Le plus bas de la forme, là, il nous nique sur la fatigue. Hein. Théma, la barre grise qu'on a. Ouf. Elle pique. Hein. La barre grise, elle fait pas semblant. Warren, hein. Il a quasiment rien récupéré avec son gel. Course du moment, non. Sur un moment, je l'ai pas faite la course du moment. Hein. Depuis l'étape 2, je l'ai pas faite, je crois. Souffle, Neiro. Ça va bien se passer. Ah ouais, Sicard, c'était une dinguerie. Hein. Sicard, gros, il avait été champion du monde espoir, là. Ou junior, je sais plus, l'un des deux. Il disait, successeur Dino, il est là, quoi. Un peu la même hype qu'avec les Grégoire et tout, en vrai. Hein. Quand Sicard, il était chez les jeunes. Il était arrivé chez Skeletal, non? Bonne nuit, Rafa. Croyons en lui. Oh, mais Pierrot, il a une belle carrière, Pierrot. Hein. Pierre, top 5 Giro. Maillot blanc du tour. Victoire sur le tour. Top 10 sur le tour. C'est pas mal quand même pour la tour. La tour pour Roland. Après, peut-être tu disais Pierrot pour la tour en fait. Bettencourt. Bettencourt qui gagne Paris-Nice, hein. Quelques années après, hein. Oh, c'est dur, hein, mais t'es mal à barre grise. C'est ça le plus dur, ça descend à une vitesse. Les hommes de tête vont pouvoir souffler un peu. Dans la courte descente qui les mènera au pied du col du Soulor, avant-dernier col de cette étape. Puyuez. Oui, après, oui, quand tu vois son tour 2011, oui, tu te dis. Ouf. Oui, ce mec-là, il va faire des trucs, mais. Meilleur que ce qu'il a fait, mais bon. Je pense vraiment que. Alors, au final, c'est pas ce que beaucoup retiennent chez les gens, mais.
L'apogée en termes de niveau de Pierre Roland, c'est son Giro, hein, avec Rob Carr quand il fait 4. Hein. Ou 5, je sais plus, il fait 4ème ou 5ème, je sais plus. Il était tellement fort. L'escalade du col du Soulor débute. Ah, il fait 4, hein. Une montée raide, mais au pourcentage régulier. Bon, le Soulor. Les coureurs les plus frais devraient en profiter pour passer à l'offensive, car le col de Bisque est moins sélectif. Devant lui. C'est 2014, je crois, où Quintana gagne devant. C'est qui? C'est Nibali ou Juan? Je sais que c'est Quintana et je suis quasiment sûr que c'est Juan 3ème. 2ème, je serais plus de dire. Peut-être Nibali. Non, c'était Haru. C'est déjà Haru 2014? Oh, bah attends, mais 7 km/7, on est dans la merde là. La forme, elle est cataclysmique, hein. Arulanda. Arulanda, c'est 2015, derrière Contador. Ah, c'est déjà Aru qui faisait podium. C'est vrai qu'il a fait 2 podiums d'affilée sur le Giro, ouais. Derrière la Sky. Ah, c'est dommage, hein. Jeu de carrière douteux. Hein. Guillaume Martin qui a attaqué. C'est vrai que Guillaume Martin, on le voit pas trop depuis le début de ce tour. Pro manager genre Patoche, qu'un jeune ne progresse pas forcément. Et qui, on ne parle pas d'âge. Ah, c'est pour ça, hein. Ah, c'est vrai que quand tu regardes Roland, ouais, c'est limite ses meilleurs résultats, c'est dès le début en 2011, ouais. Ouais, limite c'est 2010-2011, hein. Regardez, attaquer, ouais. C'est pour ça, ouais, c'est dommage de brider des coureurs, même s'ils ont la... S'ils ont le potentiel, faut les envoyer, hein. L'argument du on attend, ils sont trop jeunes, faut pas les cramer. Bon, c'est pas ce qui peut se passer, quoi. S'ils en sont capables, faut les mettre. Ouais, mais là, mais attendez, on va prendre un tir phénoménal. C'est normal qu'on soit aussi à l'arrêt là. Bon, c'est la forme, hein, mais. À ce rythme-là, on va prendre 3 minutes, hein. Parce que là, il nous reste 2,5 km dans le Soulor. T'es mal à Barvis. Le peloton roule fort, restez bien placé. L'homme de tête a 2022 col du Granon. Oh bah, Poga qui lâche, alors qu'ils sont encore 13. Quoi? Oh bah, oui, bah. Ah bah, tu l'as dit avec de l'avance, soit bien, quoi. Ah, faut limiter la casse là avec cette forme là. Hein. Le groupe maillot rouge est à 1 minute de la tête de la course. Il prend la tête du classement général virtuel. Il y a 3 Bahreïn devant nous avec Landa. Faut que ça se regarde à un moment donné, quoi. Bah, le problème c'est qu'il n'y a pas de descente après. On se retrouve dans de la plaine. Attention, ça attaque. L'homme de tête a sur les favoris. Le maillot rouge est. Oh, le truc c'est qu'on va même pas récup là dans la descente, hein. Vingegaard qui passe en tête, il a même attaqué. Oh là là, Poga, 2 minutes Poga. Attends, il est juste devant moi Poga. Bah oui, on le voit là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Ah mais Poga il est peut-être dans le même état que moi au final, hein. Les coureurs vont maintenant s'attaquer à la montée du col de Bisque. Putain, une mauvaise forme, ça pardonne pas, hein. Avant de plonger vers la... Go du Poga avec moi. Les autres, ils ont 2 minutes d'avance. Oh là là, cette étape tellement dure.
On s'est tapé la mauvaise sombre sur une étape tellement difficile, je suis trop deg. Le début de l'ascension est très roulant, mais au fur et à mesure, la pente va devenir de plus en plus raide pour atteindre les 7% de pente moyenne lors des deux derniers kilomètres. Donc, Guillaume Martin distancé du groupe Guillaume du groupe Bardet. Bah attends, c'est qui est maillot blanc là? Ah mais c'est Bernal. Bah oui, je suis con. Voilà les gars, fin de la descente, on est parti pour l'obisque. Oh putain. Wouah. Mais attends, on est à 3.13, mais là on va prendre 5 minutes en détente, merci la forme. C'est vrai que Poga dans le jeu, il a souvent des mauvais sens, je trouve, ouais. Il y a beaucoup de jours sans où on le voit exploser. Bon, c'est bien, hein. Tu vas me dire, moi je prends. Hein. C'est un enfer, c'est un calvaire là. Sortez-moi de là. Hein. Par le général. Ah bah non. S'il y a un jour où on a perdu 3 minutes, c'est parce qu'il y a d'autres jours où on peut reprendre 3 minutes. Oh là là, il va prendre 5 minutes. Bah même plus, hein, si ça s'attaque là pendant 3 bornes, 4 bornes, je vais basculer à 6 minutes, 7 minutes peut-être même, hein, ça m'étonnerait même pas. L'avant de la course est à 2 km du sommet. Oh. Ah ouais, le plus bas de la forme là, putain, et j'en ai vu tout à l'heure qui disait il va rien se passer, c'est tranquille. Rassurant. T'es mal à la taille de la barre rouge et de la barre bleue. Ils sont tout là-haut, ils sont pas nous des 1 km, il nous en reste 2 des kilomètres à faire encore. Oh, je perds du chemin, ouais, mais il est équipé là. Vingegaard, Bardet, Vlasov, Mas, Uran. Bernal. Langueiro. Putain, c'est vrai que Cartier a gagné Langueiro quoi. C'est vrai ça. 4 minutes. On sera pas à 7. Yo, Jerz. Mais on sera à 5 mini, hein. Le maillot à poids a suffisamment d'avance pour être sûr de le garder aujourd'hui. Quoique ça dépend, j'ai pas l'impression que ça a roulé de fou. On va basculer à 4, essayer de faire une grosse descente. Si ça roule pas devant, c'est jamais. Spécialement technique. À moins d'une faute d'inattention, les écarts ne devraient pas beaucoup évoluer. À son super pied, il restera 2 km de plat pour allier l'arrivée. Pas une info qui nous fait kiffer de fou, ça. Hein. Les gars, une minute de Poga. Hein. Poga, 3 minutes. Oh là là, comment on y arrive aujourd'hui? Enfin, hier. Ouais, 30 ans. Après, mais les gars, Wawa, 30 ans. Pierrot, plus de 35 piges. Pinot, combien? 31, 32? Ah, c'est. La génération française, c'est. Fait m'appel, bonne nuit, bonne team. Ah, Laf, 30 ans aussi, hein. Le problème, c'est que là, pour récup, ça va prendre 36 ans. Ah ouais, je récupère rien. Après, non, ça finit tout le long en descente, non? Kilomètres de plat.
crois, c'est 2 km de plat, mais il y a pas mal de virages et tout. Non, c'est pas. C'est pas les kilomètres les plus plats. Putain, j'ai pris un virage de fou là. Faites que ça roule pas devant, faites que ça roule pas. Ah, 110, je reprends pas. Je pense que ça roule du coup. On a l'info. Merci Denis Menchev pour le Prime. Très très bon pseudo. Hein. Magnifique. Merci mec. T'as vu? Ah oui, magnifique. Ah, Aineiro, perds le moins de temps possible. C'est Poga qu'on va devant nous. Il doit pas être très loin. Hein. Plus que 2 km pour les hommes de tête et personne n'a encore pris l'ascendant sur ses adversaires. Cela devrait se jouer au sprint. Récupère un peu. Mais le problème c'est que j'ai tellement peu de barres grises que la récup elle remonte pas. Oula. Oh, victoire de Bardet devant Massero Ilic. Oh, la barre bleue. Oh là là. Alors on va perdre 3.30 hein. Ouah, vu la gueule de l'étape et comment c'est embarqué, ça va encore hein, 3.30 hein. On va pas se mentir. Hein. Salut le Poscaï. Minute au final. T'es fou 3.30. 3.30 c'est pas mal quand même. Hein. C'est quand même un sacré temps. Hein. Mais bon. Pim, 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 pim. Ah, sur Poga. Ouais, wow, la minute qu'il y avait au sommet au final, hein, ouais. C'est quoi, les X? Ça a attaqué de loin. On espère surtout pas se remanger une mauvaise forme, quoi. Enfin, pas une si basse forme, parce que là, j'avoue que le plus bas... Ouf. Kobo, c'est une légende, bon, bien évidemment. Geox, la chaussure qui respire. Kobo, il respirait pareil. Alors ça nous place où avec Smergier là? Mesdames et messieurs, il joue les tout premiers. Il est en tête du... Bernal est en rouge. Bernal leader du gène. Bon, on visait un top 10 sur cette étape. Et c'est ils étaient tous au plus haut, mais tu m'étonnes. Mais quoi? Oh bah oui, mais... Bon, tu m'étonnes qu'on a pris cher. Ouh, les hors délais. On est 12ème à 2.48. Bon, ça va, ça, on n'est pas largué de chez largué, quoi. 2.48, ça passe. Par contre, c'est très serré. Hein. Bonjour, les gars. Moment tout Viasso, Otakam. Bah, je pense qu'on se fait les deux étapes, puis on va multi, hein. Tranquillement. Bon, ça va, il n'y a plus la mauvaise forme. Voilà, ça a rien de mettre Warren Barguil devant. Juste pour certains. Bon, à Twitter, quoi.
Twitter, hein. C'est quoi, c'est la liguière, non, ce col? On va se mettre là, hein. Les gars, la première partie de l'étape est sans difficulté. Ouais, freestyle. Il va falloir essayer de garder le maximum de fraîcheur pour le Ventoux. Bon, Barguil, bonne forme, et Quintana, forme classique. Là, on va être déjà mieux, là. Ne bouge pas entre le peloton et les échappés. Une, s'il te plaît. Ben oui, mais une, celle-là, elle va aller vite. Tu verras qu'après deux étapes, mec, on sera à l'heure, il sera 4h. Mais... T'inquiète. L'avant de la course est à 2 km du sommet. Le tempo s'accélère en tête de course. Les échappés vont essayer de gérer l'écart. L'écart reste sensiblement le même. Les premiers arrivent au sprint intermédiaire. Je regarde un truc, désolé. L'écart est littéralement en train de fondre. Les nerfs sont rouges. Bah oui, comme ça on sera heureux. Magnifique. Cyrus le crack sauvé. J'ai vraiment aucune idée du nom. Hein. Pas te mentir. Le col est répertorié en première catégorie. Salut toi Sam. Les coureurs pourront marquer 10. Hello Aizo. 6, 4, 2 et 1 point pour le classement. C'est monté à une vitesse. Affolant. Cuisine. Bah oui, mais ça va le faire, mec. Cet été. J'ai dit cet été. L'été est encore long. L'été est encore chaud. On a encore 2 mois d'été, techniquement. Styrozic. Ah non, je sais pas. Hein. Je sais pas s'il sonne le mieux, ce qui est le plus courant en Slovène. Après, oui, en soi, Styroz, juste avec un Z au lieu d'un S à la fin. C'est quasiment dans le thème. Hein. Merci David. Pub. C'est pas très grave. Moment de plaine. J'attendrai au pied. Puis 20h. Ah ouais, il y en a, vous êtes là depuis longtemps là. Ah, il est boss. Bon, ça va pas aller au bout, hein. Vu l'avance. Par contre, faut récup là, mon aéro. Depuis 14h. T'es là depuis 14h. Les premiers arrivent au sprint intermédiaire. 19, rallye. Allez, les gars. 2h. Oh, le menteur, Hugo. Oh, le menteur. T'étais où pendant l'étape, mec? Hop hop hop, contrôle de police. Oh, c'est pas au France TV. Le tour sur France TV. À part les tapes en live, quand je regarde en live, je regarde sur Eurosport parce qu'il y a moins de décalage, mais. Sinon de mon côté je regarde sur France TV. Oh bien, doucement Atraxé, oh monsieur, oh, parlez bien. Oh. Ça va pas ou quoi? Une minute d'avance sur le groupe des favoris. Le French leader. Allez mon héros, tiens bon. On a perdu le maillot vert les gars, va falloir se ressaisir. Oui, il est blanche pour tes beaux yeux. Oh là là, putain, vous savez me parler. Hein. Et demain je prie le scénario. Vous savez, et j'ai pensé à quoi ce matin? Et j'étais en mode, ouah, je prie pour que ça n'arrive jamais. Je sais pas pourquoi, j'ai pensé à un scénario dans ma tête où l'étape du jeudi pue sa mère et je m'endors sur ma chaise. Et le live continue à tourner avec moi comme un couillon qui dort sur la chaise. Je sais pas pourquoi, ça m'a traversé l'esprit. J'étais en mode, oh non.
Ouais, bizarre. Bizarre l'ambiance. C'est drôle en vrai. Ouais, non, hein. Non, pas du tout drôle, hein. Bon, on move en tout via saut. Ouais. C'est ban ça, non? Oui, en plus, je crois que c'est interdit de maintenant sur Twitch de dormir. Y'a pas une catégorie limite pour dodo? C'est bizarre, hein, mais. Ouais, y'a des catégories cheloues, hein. Y'a des catégories piscine, jacuzzi, dormir. C'est parti en couille, hein. Après, c'est le d'après, mec. Il a renseigné. Ah, mais les live jacuzzi, c'est mon dada. Ils l'ont fait avec David, il a pas voulu, je sais pas pourquoi. Sur le live, aucune idée. 500, non? Une heure, non. Bon, je lâche un petit giveaway de jeu. En détente. Salut Flo. Bonne nuit Didiflix. Faut pas paniquer. Tranquille. Le peloton fait nimp. Non, je sais pas. Par contre, c'est moi ou Quintana est vraiment nul. Là, je crois qu'on s'en rend compte. Hein. Bon, y avait, la forme jouait pas en notre faveur à l'étape d'avant, mais. Ah ouais, c'est Nairo, c'est pas. On est pas sur le Nairo de la décennie là. Même Froome est devant toi. Ah oui, mais. Wesh, y'a Froome. Bah oui, mais les gars, mais moi Froome sur le jeu, je lui ai mis une petite note sympa. Hein. Moi, ça me faisait de la peine. Hein. Alors, c'est pas Froome, on va pas le voir. En vrai, dans une échappée, peut-être une victoire à un moment donné, mais. Genre, je crois que je lui ai mis 78 montagnes. Et genre un petit physique sympa. Bah oui, mais en même temps, il faisait de la peine, Fromi. On n'allait pas le laisser comme ça. Attendez. Vous êtes fous, quoi. Mais c'est trop dur, hein. Je vous jure, pourquoi on s'est lancé dans ça avec Arkel? À moins que Nairo soit au plus haut de sa forme, c'est pas évident. Hein. Pas haché, parce que c'est Villasso là. Fallait prendre Jumbo. Ah, fallait prendre du AE, je pense. Oh, regarde les blocs, non, ouais. Comment en jeu. Bah non, si t'as des meilleurs coureurs, non, mais. Enfin, ouais, ouais, à regarder, c'est moche, hein. Même à jouer, hein, c'est plus kiffant quand t'es dans les batailles, mais. Bah, le truc, c'est qu'il n'y a pas de bataille, quoi. C'est juste Ineos qui monte au train de fou, mais il monte tellement vite que. Si tu les suis, t'en fringales à 10 bandes du sommet, quoi. Nairo. Donc pour là, je crois c'est trop dur. Une échappée, mais je sais pas qui. Je pense c'est échappée, hein. On voit le peloton, il est là-bas. Hein. On est pas mort, hein. Voilà, le problème, c'est que c'est une portion où le peloton, ils vont récup, quoi, en étant en groupe.
Tu sais quoi, je vais rester avec eux, non? Ah, mais ils roulent pas, vraiment? Oh, bah les gars! Faites pas les radins, aidez-moi, non? Il n'y en a pas un seul de tout le groupe de 20 qui roule pas. Quel enfer. Pareil, en IRL, ouais. Il est trop matrixé. Thibaut essaie d'écrire. Ah, ça serait beau, hein, ça serait magnifique, hein, mais bon. Marquera 10 points pour le classement. Allez, allez mon héros. L'arrivée étant classée en première. Marie, il est KO là, ouais. Putain, j'avais même pas vu, il était qu'à 3 points de Benoît. Ah, mais là, ça a tout récup devant, non? Enfin, peut-être pas tout, mais ça a bien récup, je pense. Bon, nous, on est là dans la pampa tout seul comme un couillon. Il n'y en a pas un seul des 19 qui veut m'aider. Putain, l'enfer. Non, Wellens, petit relais, non? Pas trop envie, hein. Il hésite, hein. Regardez. Ah, il a arrêté. Ah, ça y est, il réhésite. Là, il hésite plus. L'échappée se situe maintenant au niveau du chalet Reynard. La pente va devenir plus rude désormais, avec des pourcentages bien supérieurs à la partie de l'ascension. Bon, rôle d'équipier. Ouais, je sais pas, hein, j'espère. Hein. J'espère juste qu'il n'est pas KO, quoi. C'est possible aussi en soi. Alors, chalet Reynard passé, dernière rampe du Ventoux. J'espère qu'ils ont pas trop récup devant, hein. Sinon là c'est la sauce. Hein. Pour être sûr d'être à l'heure pour la sortie avec les 8h avec des potes et l'étape. Ah ouais, mais des dangereux pour la condition là. Tu vas être carbo, ils vont te fumer, mec. À poids aujourd'hui. Mais du coup le maillot à poids c'est Guéchu qui l'a gardé encore, non? Franchement il a été très solide, hein. Je pensais pas qu'il tiendrait aussi bien dans Galibier et compagnie, Guéchu. J'étais un peu surpris quand même. Parce qu'il passe deuxième je crois au Galibier, non? Lazov qui attaque. Mais aujourd'hui il fera rien. Ouais, je pense que c'est possible, hein. Enfin il peut le faire, je pense, hein. Alors, on voit l'observatoire là-haut. Bon, Poga a pas la même défaillance qu'hier, hein. On est échappé. Bah l'avantage d'aujourd'hui c'est que ça commence direct dans le galibier quasiment, donc c'est à peu près pas tranquille, mais pour des purs grimpeurs, ça va être plus simple de s'échapper normalement. Ça va pas être juste une bataille sur du tout plat pendant 50 bornes. Et Luchenko Yetz. C'est Bardet qui va encore faire une perf monstrueuse là? Allez mon héros, dans des pourcentages comme ça on est mieux, hein. On va reprendre Guigui. On l'a peut-être mis un poil fort, Bardet, hein. Il va gagner toutes les étapes le salaud. Bon là il a le bonus de forme, mais... Oh, Bernal lâché avec son maillot rouge. Général
Bardet, il a une minute, hein. Bah, il va aller chercher le rouge, là. Ouais. Totalement aller chercher le rouge. Je pense. Devant Poya, Vlasov, Vinger, Roglic, Uran, Bernal 7. Putain, mais ça m'étonne qu'on soit autant à la ramasse, quoi. J'ai vraiment une impression de galère de fou. C'est une dinguerie. Pourtant, il a pas des stats si dégueu, hein. Mais bon. C'est compliqué, hein. Bardet back to back, hein. Est-ce qu'il va faire le back to back to back? Les petites montagnes au-dessus, il a 84. Ah ouais, de fou. Et dans les cols roulants un peu, il a 62 montagnes. C'est Daniel Oss, mais par contre, dès que ça passe sur du 10%, il est heureux, hein. Il y a eu le paradis, hein. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. On peut dire que Bardet, on lui a mis 82 en montagne. En gros, à 82, il y a Bardet, les deux Slovènes. Non, il y a Bardet, Poga, Vinge, Vlasov, je crois. C'est dommage, on perd le maillot vert. C'est pas une journée qui restera dans les annales. Quoi, on a perdu le maillot vert? Eh, on rentre dans le top 10 quand même. Putain, en plus, il y a un tour hyper serré. Je suis trop triste de pas être avec eux, moi. Ah d'accord, c'est Van Aert. Ah oh, mais il y avait les deux sprints, j'ai complètement zappé. Oh, Nairo malade. On n'a pas le droit au bonheur. Ah oui, mais d'accord, mais Bardet avait plus 3. Bonjour les gars. Commençons le brief. Ouais. C'est solide, hein. Bon, Quintana malade. Là, on va pouvoir. Au moins, si jamais je perds, on pourra dire. Ah, mais les gars, c'est parce qu'on était au plus bas de notre forme. C'est tranquille. Re-exhum. Bon, là, on a même pas accès à la forme, quoi. Bon, on sait pas, il a quoi. Ah, et du coup, avec sa forme, moi, 85 montagnes, quoi. Tout va bien. En détente. Et une descente technique, le col de là en plus il a re la, le bonus. Le cycle infernal, le cycle sans fin. Bon allez Warren. On a quelques points du maillot à poids de Benoît là. Hop, bon le 4ème 4 on va s'en battre les couilles. C'est qui te baise? C'est la résistance si basse? Ouais, c'est possible en vrai. Parce que du coup, on perd beaucoup plus de barres bleues. Enfin, de barres de fatigue et tout, genre. En même temps, c'est tellement important le physique dans tes defs maintenant que. Ça m'étonne. Ça peut pas aider étonnant, quoi. Il a envoyé Nasser. Ouais, c'est pas grave. Nasser, il y a les étapes après là. Là, c'est le premier massif. Après, ça part sur les étapes de transition. Non, arrête. Ouah, wow, l'échappée! Non, on collabore pas, Warren. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe tes adversaires. Et aujourd'hui, bon, monstrueux, hein, Bardet. Hein. Mais on attend de voir la suite du tour maintenant. Le sprint intermédiaire sera disputé à Larens. Déjà aujourd'hui, hein. Les sprinteurs chercheront peut-être à marquer quelques points avant de former le groupe Eto pour rejoindre l'arrivée dans les délais. Bon, nous, on suit les groupes. Et on ne roule pas, Warren, ok? Alors, est-ce que Nairo est dans une bonne forme? Quand je vois sa barre descendre à la même vitesse que Gébert Anacona, c'est pas bon signe déjà. Le col de Bisque est bien évidemment classé hors catégorie. Le premier au sommet. Le tempo s'accélère en tête de course.
Ouais, je pense que je ressens, hein, c'est tout. Hein. Ah, Simon Yates et Pinot qui partent à deux. C'est par là le PDS pour voir David vainqueur au sommet et Bardet en jaune. Oh là là, régale-toi, mec. Ils sont plus que 57 derrière. J'ai toujours pas eu, moi, dans ma team, un mec malade qui dévie à la maladie hyper grave. Bon, je vais pas parler de malheur parce que tout le monde c'est une première qui est sous nos yeux là, mais. C'est dommage quand même. Allez, mon Warren. Oh, vous, mon Warren! Derrière, c'est juste quand même. Hein. Bon, avec Warren, on va passer que 3ème et 4ème. Pardon, est-ce qu'ils, ouais, ils avaient 6 et 8 points. Bon, ça devrait le faire là. En passant 4, on va prendre provisoirement le maillot parce que nous on avait 32 points de base. Ah, oui, mais en même temps, avec le tempo qu'ils mettent, il n'y a que 4 minutes. Ah, oui, mais ça avait pas son nom dans le peloton. Ça n'est pas semblant du tout, même. Ah, attends, Warren, fais pas le con. Hein. Je pense à temps même derrière. Hein. Attends, Zimmermann. Hein. L'échappée augmente l'écart par rapport au maillot rouge. Voilà. Et là, tu vas même faire le rat, le big rat. Ah non, allez, une en collabore quand même. Mais aucune inquiétude, puisqu'il n'y figure aucun favori pour le classement général. Dans l'autre sens, en deux jours. Bon, c'est juste pour une question de route et de parcours, quoi. C'est pas mal en vrai. Hein. Non, l'enchaînement des deux étapes, et c'est trop bien le tracé, je trouve. D'accord, une aérophore récup maintenant. Bon, par contre, on a déjà plus Anacona et compagnie. Ce serait bien que ça rentre, mais. PCM. Bah, c'est pas prévu, les gars, on fait pas les mêmes carrières à chaque fois, quoi. Sinon, c'est chiant. Allez, mon héros. Fais-nous rêver. Ce n'est pas parce que t'es malade que tu peux pas être en forme. Eh ouais. Y'a peut-être une giga forme qui se cache là-dessous. Sur le tour en entier, là, l'étape des pavés, il était malade, le Marty. Il y avait une giga forme en dessous qui se cachait. Le Leech, demain après l'étape, enfin demain, tout à l'heure après l'étape. On va pouvoir commencer à dire tout à l'heure. Takam là, c'est l'étape de Takam, ouais. Avec le Spandel juste avant. Bon, les UAE vénère, hein. Pogge, il a envie de reprendre son maillot rouge, je crois. Il est 5ème à 46 secondes. Devant, il y a 3-14. Bon, par contre, faut quand même suivre. Faut suivre, mais sans et passer sans utiliser le gel. C'est le plus dur. Bon, après, là, au moins, il n'y a pas des passages, des pourcentages sur du replat dégueu qui vont nous mettre mal. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. Des points. Oh oui, mais je lui ai dit de suivre des attaques sans collaborer du coup. Tu sais quoi, je vais même lui faire prendre son gel. Hein. Passons. Pintana malade, ouais. Possible pour toi. Oh oui, c'est possible. Hein. Demain, tout est possible avec Poya. Hein. Un Poga énervé comme ça. Oh là là, mais les UAE, le tempo aussi. Arrêtez. En vrai, je trouve ça va que la barbe, elle font pas d'un coup, hein, là, donc c'est peut-être bon signe, ça. Pour les
6 premiers coureurs au sommet, il y aura 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point à empêcher. Oh bah non, Pérez, t'arrêtes pas devant moi comme ça. C'est pas cool ça. Allez mon aéro, normalement on va pas tarder à arriver au panneau des 5. Ok. Franchir à l'arrivée. Sur l'étape de demain? Ouais. Ah oui, non, l'étape de demain, tu pourras pas te cacher. Hein, donc, de toute façon, déjà hier, ils ont pas pu se cacher. Hein. Mais le Spandale c'est trop dur hein. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner ça en IRL. Même la descente, est-ce que quelqu'un va faire la descente? Tellement technique la descente de Spandale. Aussi, j'ai vu. Ouais, Mas a pris très cher aussi, ouais. Allez, allez, faut tenir. Basculer avec les meilleurs, mon aéro. Avant de la course, c'est à 2 km du sommet. Descente, mon rêve. Comme en 2016. C'est comme ça qu'il va chercher le podium. La fameuse descente où Froome tombe. C'est avec qui? C'est avec Nibali qui tombe, Froome? Je sais plus. Est-ce que Barry va pouvoir faire les points avec Pinot et compagnie, là? Nibali qui tombe avec Froome. La descente full flotte là. On s'accroche, c'est bien Nairo. Oh, devant Warren, c'est dur. Hein. Ah, il va pas pouvoir suivre Pinot, Egg et Yates très longtemps. Hein. Ils sont trop forts les trois. Ouais, ouais. Bon, c'est pas grave, il va nous attendre. Il aura fait le max de points, je pense qu'il va être maillot à poids quand même. Les premiers basculent au sommet du col de Spandale. Toujours moins bien. Bah, je sais pas, ouais, mais moi aussi j'ai l'impression qu'il est moins bien que l'IA, hein. C'est une dinguerie. Hein. Quand tu simules, t'as l'impression que ton coureur c'est une lock. C'est du jamais vu. Hein. Genre, t'as l'impression que tu l'abandonnes une demi-seconde, c'est fini. Il se fait gérer par l'IA, c'est fini. Je sais pas. On va basculer dans mon groupe de 22. Eh, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Oh, j'ai envie de faire la descente. Alors, ne reproduisez surtout pas ça chez vous. Ceci est fait par un professionnel de la descente. Barry, il attend bien quand même. Il attend déjà plus. Énorme. Carrément. Bah oui, faut pas avoir peur de le dire. Hein. En fait, c'est ça la diff avec Quintana, c'est que vraiment niveau barre de fatigue, c'est une dinguerie comment on tient pas la barre bleue quoi. T'es mal à la barre grise qu'on a déjà. Ça remonte là.
Oh là là, la tour qui nous fait revenir dessus. Scandaleux. Bon, on a fait piéger Vingegaard et Landa. Bon, toujours 7 prix, tu vas me dire. Ah oui, mais en fait, c'est vraiment de la merde, là. C'est quoi cette descente de merde? Oh, on nous a menti, là. On nous montre une brochure avec des paillettes, mais c'est pas vrai, hein. Que du putaclic, yo Maxime. Comment ça, descente hyper technique? On est où, là? Du groupe de tête, bah, la barbe foncée si tu préfères, mais si tu préfères la limite où on peut pas où la barbe bleue ne peut pas remonter au-dessus. On va bientôt atteindre la commune d'Argelès-Gazost. Pour les coureurs, cela signifie qu'ils en ont presque terminé avec la descente. Encore un peu de patience et nous serons dans la montée. Salut Max. Finale. Bon, ce début de descente de Nero n'aura servi à rien. C'est pas grave. Pas grave, ça arrive, hein. On peut pas réussir toutes ces tentatives de descente, hein, même les meilleures. Oh, Bernal lâché. C'est tellement technique, là, que... Sans le vouloir, on fait des écarts. C'est énorme. Ah, la tour fait ton kéké à 110, mon pote. Moi, je marche pas là-dedans. Hop. Bon, personne ne distancé. Cette descente est un échec. C'est pas grave. Un peu déçu, mais... L'échappée augmente son avance sur le groupe maillot rouge. Ok, viens te protéger. Merci, Maxime. Et voilà, nous y sommes pour le groupe de... Merde, j'ai pas pu report. Désolé. Les coureurs entament la montée d'Otakam, un peu plus de 13 km. Alors, Otakam maintenant. Nombreuses ruptures de pente qui imposent de fréquents changements de rythme. Tain, mais tout à l'heure, du coup, je l'ai confondu avec le plateau de Bay. Plateau de Bay, ça fait un moment qu'on l'a pas vu aussi. Est-ce qu'on l'a revu depuis le TDF15, le plateau de Bay? Voilà, la tour qui fait une descente, vous avez pas rêvé, ouais. Cette arrivée au sommet est un moment important pour les coureurs qui visent le classement général. Mélange. C'est bon. Et ça part. De cette fin d'étape, c'est aussi le Grand Prix de la montagne puisque le vainqueur empochera 20 points au classement. Bon, quand on sera que ça sera bien d'en faire une, ouais. Allez, après, tu sais, on fait pas des prédits à chaque course, à chaque life de partout, quoi. Bon, Otakam. Dès le kilomètre zéro, en fait, on se distancé, quoi. C'est soit ça, soit on doit se foutre à 110, j'ai l'impression. C'est un enfer. Dès qu'il y a une axelle, c'est ciao, on se gare. Bon, en même temps, là, c'est Roglic qui roule, hein, tu vas me dire. C'est pas n'importe quoi. À 10 km du sommet. Et là, je suis plus en Belgique, hein, Max. Hein. J'habite en France, là. J'habite à Clermont. Je me suis barré de la Belgique. Bon, Nairo, on a compris que le tour va être très long. Mais s'il te plaît,
Va falloir qu'ils mettent du tien. Peut-être. Oh bah tu sais, c'est sans doute la meilleure... meilleur choix de ma vie d'être de m'être barré de ce trou. Hein. Pas la Bretagne. Parce que clairement j'avais déjà des potes, du coup forcément ça aide quoi. Bon, il a m'installer et tout, alors que Rennes j'aurais été totalement solo quoi. Et puis il fait un peu plus beau à Clermont qu'à Rennes, on va pas se mentir. Bon, une minute de retard. La classique. Le truc, c'est que vu que c'est Roglic qui met le tempo à chaque fois, on va le tenir le tempo de Roglic. Le jet de lui, il va nous servir à rien là. Voilà, bonne phrase. Bah oui, c'est bien connu qu'il y a clairement il fait moins de 10 quoi. Depuis que je suis arrivé, il fait 30-40. Je suis en train de crever. Ouais, c'est le nom. Moi, je m'en fous du rugby, je vais pas te mentir. Et puis, oui, c'est très joli, clairement. C'est très beau. Enfin, j'aime bien. Soit en soi, l'Auvergne, c'est très beau de base. Ça attaque en tête du peloton. Vingegaard qui va. Bon, au moins, Roglic, je vais arrêter de faire le kéké. Aussi. Oh, puis même, genre la dernière fois j'étais au Puy de Dôme, au sommet du Puy de Dôme. Pouah, le paysage est exceptionnel. Hein. Tu vois toutes les montagnes, tous les volcans autour, c'est une dinguerie. Hein. Le but est encore à 5 km de l'arrivée. Rien n'est joué pour la victoire d'étape. C'est un exploit. Faire du monde. Ah bah oui, en plus. Bardet qui va à la poursuite de Vingegaard. Oh putain, hey, on s'est foutu dans un calvaire avec Nairo, hein. C'est une dinguerie, hein. C'est... Oh, il est d'une nullité. C'est le physique qui fait tout, hein. On a tellement peu de bleu par rapport aux autres, mais... Marche ou pas. Bah, c'est pas très dur. Normandie, non. Jamais la Normandie. Jamais. Écoutez, je pense qu'on va devoir viser des petites échappées peut-être avec Nairo hein, sur la deuxième partie de tour parce que là, on se prend des explosions dans la gueule mais dans tous les sens. Hein. Oh ouais, là c'est une dinguerie. Il a vraiment un physique éclaté en fait. Hein. J'avais pas fait gaffe mais... Après l'étape, ouais. Que 3 km de tête. Bah oui, mais les gars, tranquille, hein, vous savez, on n'est pas pressé. Hein. C'est une dinguerie, hein, j'ai l'impression d'être à l'armée là. C'est quoi ce bordel? Non. Jamais Annecy. Bon, j'ai pas fait grand chose en France en soi. Hein. Hormis Paris et le Sud. On est en train de prendre 3 minutes, mais je peux rien faire d'autre. On n'avance pas. Open lobby. Mais c'est pas de faire l'open lobby, le problème c'est que il est 4h tout pile, c'est open lobby. Maintenant, tout de suite. L'écart est maintenant d'une minute entre les favoris et l'homme de tête. Carrière sur long terme. Oh bah PCM, y a pas de carrière sur long terme de façon sur TDF Radness. T'as pas de mode carrière sur TDF. Eh, Vingegaard va reprendre le maillot rouge de Bardet, là. Ah, on va reprendre Caruso, quoi. Pas mal.
Non, sur TDF. Ah bah oui, non, mais sur le long terme, t'auras pas de carrière sur TDF, non. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. C'est de l'arcade, hein, TDF. Hein. C'est pour faire un petit kiff sur le moment, mais... Les carrières des compagnies, ça sera PCM. Hein. Il y avait combien avec le maillot rouge, Wingard? 21 secondes. Bah, avec les bonifs, ça va passer. Hein. Plus de pas. Mais non. Je joue la Fritos. Ça vaut quoi, mec? Ouf. Eh bien. On adore se mettre dans des positions saugrenous. C'est quoi ce bordel? Je sais même plus parler. Saugrenous? T'es mal, mais je suis choqué. Franchement, je suis choqué de la taille des barres, moi, de Nairo. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Il a aucune récup, aucune. Aucun physique. Quoi. Et du coup, c'est trop important là. Moyenne d'étape, 18ème, quoi. En détente. Étape d'avant fait 12, étape encore d'avant fait 22. Bon après on n'a pas beaucoup de chance hein, entre les formes et la maladie, mais quand même. Compliqué hein. Je pense que sur la fin du My Tour là on va tenter des échappées ou tenter d'autres trucs parce que ça va être très long hein, si on joue comme ça toutes les étapes. Hein. RP Arkea. Ah c'est pas... Habituellement, je t'aurais dit oui, mais là, hier, c'était pas le vrai, c'était pas vraiment ce RP là, hein, Arkea. Ah, pas au granon, ouais. Mesdames et messieurs, il est temps. Alors après la 12e étape. Et le premier enchaînement montagnon où nous sommes. Bon, on visait un top 10 sur cette étape. Oh, allez hop, ça va partir en échappé. Hein. On est 15ème, tout juste. Tranquille. Vingegaard, il prend le rouge à barder. Putain, je suis deg en plus, il y a un tour de fou avec le général, mais on n'est pas là. Chaque fois qu'il y a des tours de fou avec le général, on n'est pas là. Bon, Barguil prend le maillot à poids, ça c'est la bonne nouvelle. Et Boigny est pas loin de prendre le vert.